Ah bonjour Quentin, vous êtes là? Oui, bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien, ravi d'être dans cet endroit magnifique. Bah ouais, c'est vrai qu'on est, plutôt bien installé ici. Fabuleux. On va se tutoyer déjà peut-être? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et bah, du coup, je t'invite à t'asseoir. Comment s'est passée la route? Très bien. Tu sais, avec un Range Rover, la route est toujours trop courte. Mais ravi d'arriver. Bon, tant mieux. Alors raconte-moi un peu ta fonction ici. Moi, je suis le chef pâtissier de l'hôtel, donc je dirige la brigade qui est en charge de toute l'offre sucrée qu'on peut retrouver dans les différents points de restauration, même en chambre de l'hôtel. Et comment arrives-tu alors à gérer toute cette partie, toute cette offre autour de la pâtisserie dans un établissement incroyable comme celui-là? Bon, déjà, on a au sein de la brigade pâtisserie, on a plusieurs presque corps de métier en fait. On a des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées dans le chocolat, d'autres qui sont spécialisées plutôt dans les desserts à l'assiette, d'autres dans des desserts qui sont un peu plus boutiques qu'on peut retrouver dans les chambres ou au goûter l'après-midi. Donc voilà, ça, c'est une gestion d'une équipe. Et puis après, tout le but est de créer une offre qui est propre au Royal Monceau et qui peut être identifiée tout de suite, visuellement et aussi gustativement, qui est sans doute la partie la plus importante, comme quelque chose construit, pensé au Royal Monceau. Mais quel a été l'élément déclencheur finalement de cette passion? Parce que j'imagine qu'il faut être passionné. C'est un élément déclencheur finalement un peu particulier, parce que c'est pas à la base la passion de la pâtisserie qui m'a amené là, mais la passion du voyage. Et l'envie de devenir entrepreneur après. Et je me suis rendu compte de l'aura de la gastronomie française à l'étranger, ce goût du voyage que j'ai et faire des événements à l'autre bout du monde, aller ouvrir, un petit côté explorateur finalement. Ouais, peut-être un peu, en tout cas, effectivement, d'avoir pas une routine et d'avoir de rencontrer plein de cultures, plein de gens. Ça, c'est vraiment ce côté-là qui m'a amené à ce travail-là. Autant je suis venu par opportunisme, on peut dire, dans ce métier-là. Autant j'y suis là, maintenant encore, parce que c'est la passion de la construction du dessert qui m'anime, en fait. Et ce qui veut dire que c'est relativement récent, finalement, pour toi. Ouais, ça fait 10 ans. J'étais en droit et sciences politiques avant. D'accord, voilà. Donc, tout autre domaine. Rien à voir, mais... Oui. Qui t'a peut-être amené une rigueur, une certaine rigueur qui te sert aujourd'hui, non, finalement? Ouais, alors, la rigueur des études de droit et sciences politiques, c'était pas le point fort. Elle n'était pas exemplaire. D'accord, donc on n'en parlera pas. En tout cas, pas la mienne. Très bien. Est-ce que tu as d'ailleurs un dessert qui remporte un peu plus de succès que les autres ou... qui surprend peut-être un peu plus ta clientèle? Alors on a un dessert en ce moment, effectivement, dont on est assez fier. C'est une tarte au cassis. Et c'est pas seulement une tarte au cassis, nous on l'appelle la full black, en fait. D'accord, full black. C'est une tarte avec un fond de pâte sucrée teinté au charbon de bambou, avec une fine couche de crème d'amande avec quelques cassis à l'intérieur. Une crème diplomate qui vient apporter un peu de gourmandise, un peu de gras, c'est important. Oui. Et puis, on vient ajouter une généreuse couche de confit de cassis à la feuille de cassis, puisque la feuille dans le cassis est sans doute, en tout cas pour moi, l'élément le plus important dans la saveur du cassis. D'accord. Cette feuille moi, je recherche en termes de goût. Et puis, on vient ajouter plein de cassis. Et l'ensemble est totalement noir et ce full black est encore plus révélé avec l'ajout de quelques fleurs de coriandre qui sont elles blanches mais qui viennent souligner ce côté très sombre de la tarte. Voilà. Fabuleux, ça donne envie en tout cas. Bah, et puis ton appellation full black, je pense qu'il y a quand même le lien entre le partenariat de votre hôtel, le Royal Monceau Raffles Paris et puis Land Rover. Ouais. Avec quelques appellations qui peuvent être finalement très proches. Parce que nous, on a des options et dans ces options, on a le Black Pack. Donc, on se rapproche un peu sur le Black en tout cas. Ouais. Et en tout cas, ça me donne envie de découvrir réellement ton dessert. Ah oui, incroyable. Fabuleux. Ça me donne vraiment envie de découvrir l'intérieur. Ouais, ben, je t'en prie, attaque. Ah oui, incroyable. Très surprenant. Et toi, Quentin, que penses-tu de cet intérieur? C'est un palace roulant. C'est un peu ça, c'est vrai. C'est confortable, je pense que
On est aussi bien finalement en conduite que passager. Et je suis content d'être en conduite. Au volant. Ouais, parce que c'est très confortable. C'est la deuxième fois que je conduis un Range Rover en fait. D'accord. Mes parents avaient un Range des années 90, il y a ça maintenant 20 ans, oui. Un V8. D'accord. Avec un intérieur cuir et tout. Pour autant, ça a bien évolué. Ça a bien évolué, ouais, ouais, en termes de multimédia, mais aussi en termes de confort avec ces sièges qui sont en train de masser tranquillement, ouais, le bas du dos. C'est un vrai bonheur. J'avais l'habitude de conduire ce Range, enfin de conduire, de faire le petit demi-tour au bout de l'allée dans laquelle notre maison était située. D'accord. Avec un champ, donc j'avais un petit côté, j'ai l'impression de m'aventurer, ouais, dans des terrains. D'être déjà un aventurier à l'époque. Tout terrain, alors que bon, c'était juste un petit demi-tour, mais c'était chouette et c'était finalement il y a 20 ans. Mais tu avais quel âge à l'époque? Ouais, j'avais 10 ans. D'accord. Ah ouais, donc c'était un chemin privé, on dirait. Oui, que c'était oui, un chemin bien privé. Sûr, bien d'accord. Sûr. Oui. Donc voilà, il y a un peu d'émotion aussi à conduire. J'imagine. C'était il y a 20 ans et il s'en est passé évidemment des choses depuis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'offre la voiture. Ah ben bah, écoutez, je suis ravi parce que je commence à me sentir à l'aise même si je surveille. Je le un vois, peu. Je le sens. Alors effectivement, j'imagine qu'entre ta première expérience à bord du Range V8 des années 90 et l'évolution en ce moment dans les rues de Paris à bord du Range Rover 50, avec évidemment une base sur la finition autobiographique qui est quand même révélatrice du luxe et du raffinement au sommet de ce que les ingénieurs savent faire chez nous. 1970 exemplaires précisément pour le monde. On est dans un de ces 1970 exemplaires qui marque l'histoire de la marque et la marque évidemment qui ne va pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, pour toi, ça ne s'arrête pas non plus ici. Ah parce bon? Parce que je t'invite à rejoindre Clément au bar. Ah, top. Il y a encore une petite surprise pour toi. Génial, j'adore les surprises. Bonjour Clément. Bonjour John. Vous allez bien? Très bien, et vous? Mais parfaitement. Bienvenue au Barlon, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Je quitte Quentin à l'instant et il m'a dit que vous aviez de très belles surprises pour moi. Je vous propose qu'on se tutoie afin de commencer l'aventure. Avec grand plaisir. Clément, comment arriver aux commandes du bar du Royal Mansour à Feuls Paris? Bien John, c'était pas forcément écrit d'avance. J'ai commencé par des études de lettres, de littérature, de philosophie. D'accord. Et j'ai eu cette passion du voyage et l'envie aussi de créer des expériences. Et finalement, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Très bien. Dans le monde du luxe également, avec ce côté immersif, ce côté expérience client. Et j'ai été passionné dès le début. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai voyagé entre l'Écosse, Londres, avant de revenir à Paris et d'avoir la chance de rejoindre ce magnifique établissement. Donc c'est ce côté un peu aventurier qui te permet aujourd'hui d'être ici? Tout à fait. Il y a cette soif de l'aventure, oui, qu'on va retrouver ensuite dans le concept du bar, dans le concept des cocktails, dans le côté créatif, dans le fait d'aller sourcer des ingrédients, oui, aux quatre coins du monde, d'aller sourcer aussi des saveurs et de créer des expériences autour de tout cela. D'accord. Alors je découvre ta carte de cocktail qui est très intéressante, mais je m'arrête naturellement sur les créations hors carte. Qu'est-ce que ça évoque ? Eh bien, une création hors carte, c'est avant tout, c'est une promesse d'aventure, d'exploration des sens. C'est vrai que nous créons des cocktails signature que nous pensons avec des ingrédients très précis, des recettes également très précises. Et sur le hors-carte, c'est une aventure un petit peu tout terrain où on va aller comprendre notre client qui a envie de se faire plaisir avec des saveurs qui ne sont pas forcément à la carte mais qui vont lui correspondre au mieux. D'accord. Et comment fais-tu pour justement arriver à surprendre tes clients alors que tu ne les connais pas forcément ? Eh bien, notre métier, c'est également de faire connaissance avec notre clientèle, de tisser un lien, d'accord, fort autour de nos concepts, de nos produits, pour créer une expérience. Et ce que je te propose de faire, oui, c'est qu'on fasse cet exercice ensemble. Si je comprends bien, Clément, c'est l'aventure. C'est bien ça, tout à fait.
on part hors des sentiers battus, si tu le souhaites. Je te suis avec plaisir. Donc je te propose de commencer l'aventure, de se connaître un peu plus, pour créer autour de ta personnalité, de tes envies, un cocktail sur mesure. Quelle saveur apprécies-tu dans les cocktails? Plutôt sur un côté acidulé, sur un côté fruité, avoir un côté un petit peu plus intense? Oh, je te suivrai sur le côté fruité. Et plutôt d'aller chercher sur la pétillance, d'aller chercher sur un cocktail, on va dire la pétillance. Ouais, exactement. J'ai bien vu dans tes yeux que la pétillance. Écoute, bravo. On va partir sur un petit peu de pétillance, on va aller chercher sur des bulles, véritablement. D'accord. Et ensuite, je ne sais pas, au niveau de la sucrosité, si tu aimes plutôt des saveurs assez douces ou d'aller chercher un petit peu d'amertume pour contrebalancer. La contrebalance de l'amertume. Eh ben, on va travailler sur l'écorce de pamplemousse pour aller chercher ce côté entre l'amertume, la sucrosité du jus, l'acidité également, et ensuite d'apporter beaucoup de bulles. D'accord. À ce cocktail. J'ai hâte de le découvrir. Et voici ton cocktail, John. Merci, Clément. Comme tu peux le constater, je l'ai réalisé sans alcool, sachant que tu allais repartir en voiture. Fabuleux. Mais tu sais que même s'il y avait eu de l'alcool, j'aurais profité du partenariat avec Land Rover et de votre service chauffeur. Mais c'est une excellente découverte. Vraiment, bravo à toi. Merci à toi. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir découvrir tes créations. J'ai un autre voyage qui m'attend. Cette fois-ci avec le Range Rover 50. Donc je te laisse et puis je te remercie encore pour cette délicieuse découverte. Super. Merci à toi. Merci John. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.